le lionsque et le rat. Vous connaissez le proverbe, et il n'est pas de moi, on a souvent besoin d'un plus cute que soi. Un rat se prodigue hors la terre par distraction entre les pouches d'un lion. En voyant la terrible gueule de cette grosse bête, il sentait sa cervelle vaguer dans sa tête. Mais il avait de la chance. Ce lion, un vieux paye, était un brave cadet. Et il dit au rat, « Allez, je te boufferai pas. » Et il a eu raison, parce que la même semaine, ça c'était de la déveine, il s'est embrolificoté dans les filets d'un braconnier. Il avait beau rugir et faire de sa poire, il était là maintenant. Vous devez pas me croire, mais je vous jure pourtant que c'est vrai. Le rat de l'attentat savait qu'au lion, il devait la vie. Ça sont pas des choses qu'on oublie. Il arrive et il dit comme ça, « Allez, je t'en fais pas, je vais te sortir de là. » Il se met au travail plein de zèle et en 5 minutes, il a knobelé la ficelle. Un lion sauvé par un rat. Ça n'a pas de la flotte, Chesbé, n'est-ce pas? Quand on peut rendre service à un pauvre lascar, il faut pas hésiter. Ça peut servir plus tard.